Nouvelle soirée de manifestation à Bagdad au lendemain de l'incendie de l'ambassade de Suède à Bagdad. Ces manifestations sont en réaction aux actions du militant irakien Salwan Momika qui, hier après-midi à Stockholm, avait piétiné un exemplaire du Coran. Ce militant n'en est pas à ses premières provocations. Déjà fin juin, il avait brûlé quelques pages du livre sacré de l'islam, provoquant l'ire du monde musulman. Bagdad avait surenchéri en expulsant hier l'ambassadrice de Suède en Irak, mais également a retiré la licence au géant des télécommunications suédois Ericsson. L'impact politique de cette décision est encore difficile à mesurer. Maxime Bouvinet pour ICI Beyrouth à Bagdad.